à le fréquenter. Toujours le soir, au moins une fois par semaine. Mais en matière de restauration aussi, le célibat engendre des demandes dont il faut tenir compte. 26% des ménages français se composent d'une seule personne. Deux catégories de célibataires coexistent. Les moins de 40 résidents dans les grandes agglomérations et plus de 60 vivant dans les habitats dispersés. La fréquentation des restaurants est en très liée au degré d'urbanisation et à l'âge. Ce sont les premières qui dînaient le plus souvent à l'extérieur. Les célibataires provinciaux se reçoivent plus aisément les uns chez les autres, tandis que les franciliens sortent. Un crucial avide, la convivialité. Le célibataire organise souvent sa soirée l'après-midi même, doté tempérament de découvrir la fréquente peu. Les restaurants traditionnels, sauf en famille et recherche des établissements différents, connaissent un gros succès, la cuisine exotique avec un vedette, le restaurant chinois, la restauration rapide, les restaurants à la mode, moins soumis au contraire de l'homo sapiens vivant en couple. Le célibataire est adepte du service décalé, 22h30, 23h et sortant la semaine que le week-end. Ce qui cherche avant tout, la conviviabilité, les contacts et l'innovation. Le célibataire fuit comme la peste, les restaurants tristes et déserts, ce qui est trop bien réglé et un peu froid. En revanche, il apprécie les restaurations disposant d'un bar où il dégustera un peu avant de passer la table. Pardon. Pour s'attirer les bonnes grâces du célibataire. Le célibataire a une idée très précise d'un bon rapport qualité-prix, fort prescripteur. Le célibataire a aussi plus dépensé. Tout aussi important, l'accueil dès les premiers contacts, même pour un seul couvert, car satisfait le client est susceptible de revenir avec plusieurs personnes. S'il n'aime pas le loguer, le célibataire n'aime pas non plus être exposé en vitrine, idem pour les mariages forcés. Si le célibataire vient dîner seul, c'est pour être tranquille, pas pour se retrouver avec un inconnu en face de lui. Faites un portrait détaillé du célibataire en se posant sur toutes les variables qui ont un impact sur ce comportement. Ça veut dire qu'on va chercher quels sont les facteurs, par exemple psychologiques, psychosociologiques, etc., qui influencent sur le comportement du célibataire. En se basant sur la Maslow, identifier les besoins peut satisfaire un restaurant pour un célibataire, dégager les freins et les motivations qui poussent le célibataire à aller à un restaurant. Lisez le texte deuxième fois. Lisez le texte deux fois cette paragraphe, puis expliquez-la.
Et donc maintenant, on va entamer deuxième partie. Entamer deuxième partie, lisez-la.